personnes qui seront dites par l'homme de Dieu, Dhirmen Bhagibanga, eh bien, ils seront interprétés par Frère Grégoire Nyomorampo, sans commentaire. Bonne condition d'écoute. Nous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Docteur, la bosse Mioi, Mme Jésus-Christ, vous souhaitez. Nous espérons que ce soir encore, tout est comme une boisse, Jiro, comme tu dis, allez, le Seigneur nous donnera à tous l'occasion d'entendre et de connaître ses voix. Qu'est-ce que tu dis, on voit le coucher au là, je n'ai rien. Il y a une chose que je prends toujours dans ce monde. C'est que les hommes vivent comme si Dieu n'existait pas. Tant que l'homme est fort, tant que l'homme travaille, il vit comme si Dieu n'existait pas. Mais quand rien ne va plus, c'est alors que l'homme fait appel à Dieu. Et voici une chose que nous aimerons bien vous faire savoir. C'est que tout ce qui a un commencement a une fin. L'homme naît et l'homme meurt. Il est même dit dans Job au chapitre 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Le monde a été créé. La Bible dit dans Genèse au chapitre 1er, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous lisons dans Apocalypse au chapitre 22, l'Écriture nous dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la terre n'était plus. Et la mer n'était plus. Si le ciel et la terre passeront un jour, notre Seigneur Jésus-Christ déclare en Matthieu au chapitre 24, nous sommes au verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. L'homme passera. Amen. Tout ce qui a un commencement a une fin. Si l'église dans laquelle tu es a un commencement, cette église aura une fin. Amen. Si la religion dans laquelle tu es a un commencement, cette religion aura une fin. Et nous pouvons dire avec certitude, ta religion et ton église passeront, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui demeure éternellement. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit.
le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Il n'y a donc qu'une seule possibilité pour l'homme de ne pas passer, c'est de recevoir la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle n'est pas dans une église, puisque l'église n'est pas éternelle. La vie éternelle n'est pas dans une religion, parce que la religion n'est pas éternelle. La vie éternelle n'est pas dans une doctrine, parce que les doctrines ne sont pas éternelles. La vie éternelle est auprès de Dieu. Amen. Ainsi, seul Dieu peut donner la vie éternelle. Alors, ne peut recevoir la vie éternelle que celui qui rencontre Dieu. Or, personne n'a jamais vu Dieu. Nous sommes dans Jean au chapitre 1er. Là, l'écriture est claire. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Timothée, Timothée wakaf, chapitre 6, verset 16. L'écriture dit à partir du verset 15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Amen. Amen. Alors, comme personne n'a jamais vu Dieu, et personne ne peut voir Dieu, comme nous venons de le lire, or la vie éternelle est auprès de Dieu, alors il faut connaître le lieu où Dieu a pu rencontrer l'homme, pour que l'homme puisse rencontrer Dieu et recevoir alors la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 19. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Si vous voulez rencontrer Dieu, vous devez le rencontrer en Christ. Et comment entre-t-on en Christ? 1 Corinthiens 12 nous dit, 1 Corinthiens 12, verset 12, car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés
dans un seul esprit pour former un seul corps. Mais pour être baptisé du Saint-Esprit, l'Écriture dit dans Jean au chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Amen. Amen. Il s'agit donc de garder les paroles de Jésus pour que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en toi. Mais voici, tout le monde nous dit la même chose. Tout le monde a la Bible. Et tout le monde dit qu'il est de Dieu. Et tout le monde dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Alors, il y a une épreuve infaillible de la Bible. Amen. C'est dans 1 Jean au chapitre 4. Là il est dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Quand quelqu'un vient vous dire, l'esprit m'a dit, la Bible dit, ne croyez pas. Mais éprouvez les esprits. Amen. Je suis étonné. J'ai déjà vu une église qu'on appelle Malemba. Ils éprouvent l'esprit sur une balance. Je ne sais pas comment ils font. Mais nous voulons ce que la Bible dit. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Allons directement au verset 5. Tu as un pin de boulot du courrier, verset 8. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, c'est Jean qui parle. Amen. Il parle de lui et des apôtres. Si votre pasteur lit ce passage et dit nous, dis-lui, ce n'est pas vrai. Amen. Le nous ici, c'est Jean et les apôtres. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ah! Celui qui connaît Dieu écoute les apôtres. Amen. Quels apôtres? Ceux qui se rasent la tête et qui laissent pousser les barbes. Non. Les apôtres dont il s'est question ici, c'est Pierre, Jacques, Jean, Paul, André. Nous les connaissons. Ils sont au nombre de 12. Eux disent, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là. C'est par là.
que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Bien-aimé auditeur, vous avez maintenant dans vos mains une arme pour éprouver tous les faux apôtres et tous les faux prédicateurs. Si un homme ne parle pas comme les apôtres, il est du diable. Il était une église Apocalypse. Apocalypse au chapitre 2. Là, l'Esprit dit quelque chose de merveilleux. Il est dit Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Maintenant, quand un homme dit une chose, vérifiez si les apôtres ont dit ça. Ça doit être écrit dans la Bible, noir sur blanc, pas seulement dans un passage, mais il faut deux ou trois. Pourquoi? Regardez comment est fondée l'église du Dieu vivant. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, il faut l'enseignement des apôtres et l'enseignement des prophètes. Et quand cela est terminé, on doit voir Jésus-Christ. Amen. Pierre dit dans 2 Pierre, au chapitre 3, il dit une chose intéressante. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez. Prêtez l'oreille. Des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseignés par vos apôtres. Il faut toujours prophète, apôtre. Apostolo n'est pas prophète. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens, nous sommes au verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Éphésiens 3. À partir du verset 4, en les lisant,
Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations par l'Esprit. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. L'enseignement que nous vous apportons, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il dit que l'enseignement des apôtres et des prophètes. Maintenant, voici la question. Que croyez-vous? Tu dois croire ce que les apôtres ont prêché. Ah. Comment baptises-tu? Tu dois baptiser comme les apôtres. Comment enseignes-tu? Tu dois enseigner comme les apôtres. Alléluia. Amen. Regardez dans Actes au chapitre 2. Là l'Écriture dit, après qu'ils aient été baptisés du Saint-Esprit, baptisés d'eau, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, les églises persévèrent dans l'enseignement des conciles. Dans l'enseignement des anciens. Dans l'enseignement des pasteurs. Dans l'enseignement des évangélistes. Mais l'église du Dieu vivant persévère dans l'enseignement des apôtres. Amen. Ça, c'est oui et amen. Amen. Et les apôtres ont prêché qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et ce seul Dieu-là est celui qui a créé les cieux et la terre. Dans l'Ancien Testament, il a porté le nom de Yahvé. Et dans le Nouveau Testament, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Amen. 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 Bien-aimés frères, Dieu voulait être un frère. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voulait marcher parmi nous. Quand il a créé Adam, quand Adam a péché, au temps du soir, il est descendu. Et il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam, où tu es? Dieu voulait être l'ami des hommes. Amen. Adam avait péché. Et Dieu lui a fait une promesse. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Un jour, Abraham était assis sous la chaîne de Mamré. Ah, c'était encore vers le soir. C'était pas le matin. Nous sommes dans Genèse. Au chapitre 18, regardez au verset 1er,
L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes. Il y a des hommes qui sont sur ça et qui disent, regardez, trois personnes en Dieu. Mais lisez la suite. Quand Abraham vit, verset 3, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Il n'a pas dit ne passez pas. Il a dit ne passe pas. Alléluia. Amen. Au verset 10. C'est pas tous les trois qui ont parlé. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Amen. À cette même époque, amen. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 12. Elle rit en elle-même. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Avez-vous vu la chose? Amen. Verset 22. Les hommes s'éloignaient et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Les trois, c'était un, était l'Éternel. Et deux, c'était les anges. Chapitre 19. Verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Amen. Alléluia. Amen. La Trinité n'est pas biblique. La Trinité ne vient pas de Dieu. La Trinité n'est même pas sainte. Amen. Parce que ce qui est saint, c'est ce que Dieu a rendu saint. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, mais yes, le Fils de Dieu, n'est pas né au ciel. Il est né à Bethléem. Amen. Il est né sur la terre. Mais ce Jésus-là, c'est Yahvé de l'Ancien Testament. Esaïe 35. Yahvé c'est qui? Yahvé dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Esaïe 35, verset 4. Baptiste, après qu'il ait prêché, il entendit, il comprit, son heure était arrivée. Dans Luc au chapitre 7, au verset 18,
Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux. Et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Qui était celui qui devait venir? Voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Jean qui était prophète demande: es-tu celui qui devait venir? Où devons-nous en attendre un autre? Verset 20. Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir? Où devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malades. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Amen. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, les boiteux marcheront. Les aveugles verront. Cette écriture s'est accompli avec Jésus-Christ. Nous déclarons avec assurance, sans le moindre doute, que Jésus est Dieu manifesté en chair. Celui qui croit le contraire n'est pas de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est par cela que nous connaissons l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Amen. Alléluia. Amen. J'en compris que Jésus était Dieu manifesté en chair. En ce temps de la fin, Dieu a encore envoyé un homme. Les gens nous disent: oh Dieu, n'envoie pas un homme. Lisons dans Jean. Alléluia. Jean chapitre 1er. Verset 6. Pour les versets mis ensemble. Il y eut un homme. Il y eut un homme. Un seul. Envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Amen. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croyez par lui. Ça c'est Dieu. Pour que tous les hommes
croient. Ils n'envoient pas une église. Ils envoient un homme. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Alléluia. Apocalypse. Chapitre 1er. Ça, c'est la manière de Dieu de faire. Apocalypse, chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Dieu voulait que tous ses serviteurs connaissent ces choses. Amen. Mais pour que tous connaissent ces choses, il a envoyé un ange à un seul. Amen. Et son nom était Jean. Ça, c'est oui et amen. Amen. Si quelqu'un voulait connaître, sans passer par Jean-Baptiste, il allait s'égarer. Amen. Si quelqu'un voulait connaître les choses de l'Apocalypse, sans passer par l'apôtre Jean, il s'égarait. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme ça que Dieu fait les choses, mes frères. En ce temps de la fin, Dieu a envoyé un homme. Amen. Son nom est William Branham. Amen. Il n'est pas plus qu'un homme. Amen. Il n'avait qu'un ministère. De ramener l'enseignement de Paul. Amen. Branham n'a pas annoncé une nouvelle religion. Amen. Amen. Branham n'a pas commencé une nouvelle église. Si vous voyez des hommes qui ont écrit Branham Tabernacle, ce sont des idolâtres. Amen. Si vous voyez des hommes qui viennent vous prêcher Branham Dieu, ce sont des esprits de démons. Amen. Si vous voyez des hommes qui viennent vous dire, vous ne devez croire que Branham, ces hommes-là n'ont pas connu Dieu. Amen. Quand Branham a prêché une prédication, c'est tourner les regards vers Jésus. Amen. 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 C'était un homme de Dieu. Il n'honorait que Jésus. Amen. Il avait dit, je n'ai qu'une loi. Amen. L'amour. Amen. Je n'ai qu'un livre. La Bible. Amen. Je n'ai qu'un credo. Christ. Amen. Voilà ce que nous croyons. Nous sommes revenus à l'enseignement original. Amen. Comme il y a eu des adorateurs de Moïse, que dit-il à Jésus? Nous, nous avons Moïse. Jean chapitre 5. Et Jésus leur dit, si vous croyez en Moïse, vous croyez en moi. Amen. Parce que Moïse a écrit de moi. Amen. Aujourd'hui, Amen. Il y a des hommes qui disent, nous avons Branham.
Branham. Mais si Branham était là, il leur dirait, moi Branham, j'ai parlé de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les hommes aiment suivre des hommes. Et les hommes aiment être approuvés des hommes. Mais nous voulons être approuvés de Dieu. Amen. Nous voulons dire comme Luther, ce grand homme de Dieu qui a résisté à l'enseignement de l'Église catholique. Et il a déclaré, si vous ne pouvez pas me convaincre par la Bible, je me laisserai convaincre moi-même par la Bible. Aujourd'hui, les luthériens ne protestent plus. Ils sont rentrés à l'église même. Wesley, ce méthodiste était un homme de Dieu. Il croyait en Jésus-Christ et il prêchait la Bible. Mais aujourd'hui, les méthodistes sont rentrés à leur église même. Autrefois, les protestants prêchaient Jésus-Christ. Ils voulaient les vrais dons. Aujourd'hui, les pentecôtistes sont rentrés à leur église même. Mais il y a un peuple. Amen. Un peuple. Amen. Que Dieu cherche. Alléluia. Il est dans Acte 15. Amen. Simon a d'abord raconté comment Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Alléluia. C'est l'apôtre Jacques qui parle. Et il ajoute, avec ça, les paroles des prophètes. Aujourd'hui, il y a des hommes qui prêchent avec la parole des apôtres, des prophètes. Par la grâce de Dieu, nous sommes l'un d'eux. Alléluia. Nous ne sommes pas contre les croyants qui sont dans les différents groupes. Mais nous vous disons, allez à Jésus. Toute votre vie, vous avez servi une église. Et sur votre tombe, on écrit, il est rentré à la maison du Père. Mais nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Matthieu 11. Mais nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Qui est le Fils? C'est le Père manifesté en eux. Toute ta vie, tu as servi la primousse. Toute ta vie, tu as servi la scol. Toute ta vie, tu as servi les boîtes de nuit. Toute ta vie, tu as servi des tumbacos. Et à ta mort, on écrit le fidèle serviteur de Dieu. Tu es-tu la primousse? Tu es-tu la cigarette? L'homme vit comme si Dieu n'existait pas. Et à sa mort, il réalise que Dieu existe.
Aujourd'hui, Dieu vous donne encore du temps. Abandonnez vos idoles. Abandonnez vos mensonges. Venez à la véritable parole. Il y a un enlèvement. Il y a un départ. Il y a une rencontre. On sera dans le ciel avec Jésus-Christ. Si vous voulez faire partie, la Bible dit dans Hébreu, au chapitre 11, lisez avec moi. Nous sommes au verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu doit te donner ce témoignage. Et ce témoignage doit être en accord avec la parole. Jean chapitre 12. Jésus-Christ. Yes, Christ. Dieu manifesté en chair. Dit au verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Amen. Si Dieu devait juger le monde selon l'Église catholique, tous les protestants seraient perdus. Si Dieu devait juger le monde selon les protestants, tous les pentecôtistes seraient perdus. Si Dieu devait juger le monde selon les pentecôtistes, tous les musulmans seraient perdus. Alors Dieu est juste. Il ne va pas juger le monde d'après une église. Il va juger le monde d'après sa parole. Alors à partir d'aujourd'hui, mets-toi en règle avec la parole de Dieu. Car Dieu jugera le monde par sa parole. Amen. Amen. Ceci est capital. Ceci est important. Dieu fait tout d'après sa parole. Dieu ne fait jamais rien en dehors de sa parole. Que disons-nous? Il y a un peuple. Ce peuple attend le retour de Jésus-Christ. Mais il attend conformément aux Écritures. Paul, qui était un homme sincère, écrit dans Galates 4. Mais que disent les Écritures? À partir d'aujourd'hui, ne dites plus. Mais que dit le pasteur? Mais que dit l'évangéliste? Mais que dit le docteur? À partir d'aujourd'hui, ta question doit être: que disent les Écritures? Amen. Et si tu demandes cela, il faut que l'Écriture réponde.
Amen. Car l'Écriture parle. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit dans Galates 4. N'entendez-vous pas ce que dit l'Écriture? L'Écriture parle. L'Écriture s'interprète elle-même. Amen. Oh bien-aimés frères, nous vivons des temps apostoliques. Nous vivons des temps prophétiques. Et nous avons encore droit à des prédications apostoliques. Nous vivons des temps bibliques. Et nous sommes un peuple biblique. Israël est dans sa terre. Et l'Église épouse est dans la parole. Israël attend le retour du Messie. Et l'Église épouse attend le retour de Jésus. Amen. Israël ne sortira plus de sa terre. Amen. Et nous ne sortirons plus de la Bible. Amen. Israël vaincra. Amen. Et nous vaincrons. Amen. Amen. Béni soit Israël. Amen. Car béni quiconque bénit Israël. Amen. Béni soit le peuple de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Israël est un signe. Et nous, les peuples, nous serons un signe. Car Dieu va restaurer. Bientôt, l'Écriture dit, encore un peu, et cela dans peu de temps, j'écrirai les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce peuple que vous voyez, vous ne le verrez plus. Amen. Vous doutez de cela? Tout ce que Dieu fait est une réalité. Amen. La naissance de Jésus était une réalité. Amen. Sa mort était une réalité. Amen. Son enlèvement était une réalité. Amen. Le pardon de nos péchés est une réalité. Amen. La justification est une réalité. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité. Amen. L'enlèvement sera une réalité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Mais voici ma prière. Amen. Que cette nuit, dans vos lits, vous ne trouviez pas le sommeil. Amen. Mais le Seigneur vous tourmente. Amen. Qu'il vous tourmente. Amen. Jusqu'à ce que vous vous abandonniez à lui. Amen. Qu'il vous suive. Amen. Dans vos plus petits retranchements. Amen. Jusqu'au jour où vous diriez, amen, me voici Seigneur. Amen. Prends-moi. Amen. Et fais de moi ce que tu veux. Et tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien comme je l'ai toujours dit, c'est sans commentaire, c'était une émission spéciale de la proclamation de la parole apostolique, organisée à l'occasion de la grande réunion publique qui est organisée au centre missionnaire de Kalanga. Eh bien, comme Michel à mes côtés, René Fortune Kayobo, je vais l'appeler, il m'a dit tout à l'heure qu'il a une question à poser à l'homme de Dieu. Je pense qu'il pourra un peu, René. Ok, merci Jean de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver aux installations de la radio de l'Évangélisation ce jour, et j'ai suivi attentivement l'orateur. Je voudrais lui poser une petite et grande question. Une petite question parce que c'est en quelques mots, une grande parce que c'est une question qui reste un sujet de discussion sur la ville de Kalanga. Nous connaissons qu'il y a plusieurs groupes qui se disent être
partisans du prophète Branham et qu'il confirme que le Branham reste le messager de l'air. Et par conséquent, ils ne peuvent pas prêcher ce que Branham n'a pas prêché. Ils ne peuvent pas dire ce que Branham n'a pas dit. Ils utilisent des brochures que nous connaissons. Chaque fois qu'ils prêchent, ils se réfèrent aux brochures, aux enseignements du prophète Branham. Mais à entendre l'orateur de ce soir, il traite tout cela des démons parce qu'ils ont écrit Branham tabernacle, Branham miracle, ainsi de suite. Où est-ce que vous vous situez? Yes. Vous ne me doutez pas de tout ce que Branham a dit, parce qu'en vous entendant parler, c'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de Branham. Je voudrais qu'il puisse un peu vous éclaircir là-dessus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Moi, mais tout, Zami Akoubenesh. Je n'ai pas traité. Tiens-moi pour le voir. Ces hommes de démons. Mais j'ai dit qu'un homme qui dit que Branham est Dieu, ça c'est un démon. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et un seul nom nous a été donné sous le ciel. Par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Il y a de grandes discussions à Kananga, mais dans la Bible, il n'y a pas de discussion à Kananga. Il y a des discussions à Kananga, mais au ciel, il n'y a pas de discussion. Il y a des discussions à Kananga, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de discussion. Tu me demandes où je me situe. Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, tu vas voir où je me situe. Parce que moi aussi je prêche comme Paul. Amen. Car je ne tiens pas à être maudit. 2 Corinthiens 2. Regardez. Verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Où est-ce que je me situe? Je me situe en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et là en Christ, Branham est là. Amen. Amen. Paul est là. Amen. Pierre est là. Voici la réponse de Branham. J'ai prêché comme Paul. Si Branham a prêché comme Paul, et que moi je prêche comme Paul, c'est que Branham et moi nous prêchons la même chose. Amen. Amen. Voici le secret. Amen. Romains chapitre 10. Romains 10. Romains 10. Nous sommes au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Ils sont plusieurs.
Amen. Mais il n'y a qu'une voix. Amen. Paul. Paul. Pierre. Pétero. Jacques. Jacob. Jean. Yon. Luther. Luther. Branham. Branham. Ils sont plusieurs. Amen. Mais il n'y a qu'une voix. Amen. C'est la voix du bon berger. Amen. Et le bon berger. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi donc. William Branham est un vrai prophète de Dieu. William Branham est un vrai prophète de Dieu. Mais si un homme vous dit que Branham a prêché des choses qui ne sont pas dans la Bible, il fait de Branham un faux prophète. Alors ce n'est pas Branham qui est faux, c'est lui qui est faux. Amen. Que Dieu te bénisse. Peut-être la dernière question pour ce soir. Vous croyez, comme les autres, que Branham reste le prophète de l'air. Est-ce en dehors de Branham qu'il n'est plus vivant, Dieu peut-il susciter un autre messager? Je ne sais pas ce que croient les autres. Je ne les connais même pas. Alors je ne peux pas te dire que je crois comme eux. Et pour ça, je ne les connais pas. Moi, je crois que William Branham est un prophète de Dieu. Il est mon prophète. C'est le messager de l'âge de l'Odyssée. Il est mon prophète. Il est mon prophète. Il est mon prophète. Amen. Amen. Mais je crois que Dieu est vivant. Amen. Et comme Dieu est vivant, selon Ephésiens 4, il continue à envoyer des hommes au ministère. Amen. 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 Qu'Abraham lui-même a dit que l'épouse a un grand ministère. Amen. En apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Amen. Amen. Dieu continue à envoyer des serviteurs. Amen. Mais le message de c'est le message qui prépare l'épouse. En d'autres termes, après nous, entre les nations, le Seigneur ne sauvera plus personne. Amen. Car tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. Et comme le temps de grâce a eu un commencement, le temps de grâce a une fin. Amen. Et nous sommes arrivés, amen, à la fin, amen, du temps de grâce. Amen. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, mais un cri de commandement, amen, à la voix d'un archange, amen, au son de la trompette de Dieu, amen, le Seigneur lui-même fait une prédication. C'est Jésus-Christ, amen, avec ses cicatrices, amen. Pas une photo. Jésus-Christ descendra du ciel. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Parmi eux sera Branham. Parmi eux sera Paul. Amen. Parmi eux sera Marie. Amen. Et ensemble, amen, nous irons à la rencontre du Seigneur. Amen. 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 Alors, fidèles auditeurs, vous venez de suivre la réunion spéciale de la proclamation.